La frappe. Pix Plus Sport vous présente le Champions Club. À la coup frappée. C'est ça qu'on attend. Encore un superbe but. Il y a un petit bon coup de toi. C'est la perfection. On va assister à quelque chose d'incroyable. Très bon, c'est beau. Quel début. C'est le nom. C'est l'image que tout le monde veut jouer. C'est quelque chose de grand. C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme car il faut l'être. Les phases de poule de la Ligue des Champions se terminent dans moins d'un mois. On est parti pour une troisième émission déjà du Champions Club. Le temps passe vite, cette journée on la passe tout simplement avec Alex Teclac et Jonathan Lange. Salut les gars. Salut Mathieu, c'est vrai que c'est comme dans un rêve d'être avec vous tous. La Ligue des Champions, je t'aime. Ouais, ça file, hein. Ça file. Ça va vite. Mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Petite piqûre de rappel par rapport à ce qui s'est passé, c'était juste avant la trêve internationale. Ce qu'il ne fallait pas rater. Avec Lewandowski, Gavi qui peut frapper, non, qui sert dans l'axe. But. Un partenaire avec la frappe. Gavi à gauche, centre, il est bon, Lewandowski. Oh là 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 là. Le centre deuxième, bon, Lewandowski, c'est goal, ça non. Avec Kimmich derrière le ballon, c'est pas mal donné, c'est but. Et voilà. Avec ouais, ce passage de Sané, il va aller au bout, il va aller au bout. C'est 2-0. Chez lui, Pedri, oh le poteau! Oh, cette frappe de goal! Oh là 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 là! Allez! Le but d'Allen! Qu'avec le but, non! Oh la reprise, elle est au fond celle-là, Neres! Et Benfica qui insiste! Il y a eu quoi? Trois occasions en une hein, pour les Portugais! C'était franchement du grand, grand spectacle à l'occasion de cette deuxième journée, place à la troisième donc, dès ce mardi et ce mercredi. Le programme qui nous attend, il est très alléchant évidemment avec le multi-live. Dès demain, on croise les doigts évidemment pour le club de Bruges face à l'Atlético. Marc Delire et Benoît Tan seront à Inter Barcelone et puis encore de belles affiches, notamment Ajax-Napoli. Hein, ça vaudra franchement la peine d'être vécu. Tous les matchs débutent dès 18h45. En tout cas, les deux premiers matchs débutent avec notamment le Bayern à 18h35. Donc sur Pix Plus Sport, mercredi. Alex, on a de la chance. On sera à Benfica Paris Saint-Germain. Sortez votre short. On annonce 28 degrés du côté de Lisbonne. Et y a aussi un très intéressant Chelsea-Milan. Les clubs milanais, on en parle dans quelques minutes avec notre invité du jour. Mais avant ça, on parle du club de Bruges. C'est dans quelques instants. Mais avant ça, j'avais surtout envie d'entendre votre coup de cœur. Parce que votre coup de cœur, quand on revoit le but d'Alan, j'imagine que ça peut être celui-là. Ouais, forcément. C'est sans mauvais jeu de mots. Erling Haaland. Niklas Süle, il est quand même grand. J'ai vérifié, c'est 1m95. Placer son pied comme ça au-dessus de la tête d'un géant, ça fait penser forcément à Zlatan Ibrahimovic qui lui seul était capable d'inventer des gestes comme ça. Donc voilà. Le coup du scorpion et encore un triplé ce week-end. Ouais, il s'arrête plus, mais rien qu'en Ligue des Champions, c'est son 26e but en 21 matchs. C'est un truc de dingue. Ouais, Alex, ton coup de cœur ? Il est aussi lié à City ? Ouais, j'ai pris Kevin De Bruyne. Pour l'assist encore qu'il donne à Alain, justement. Donc, je ne savais pas que ce week-end. Ouais, ce week-end. Ouais, parce que là, dans le derby. Cancelo, hein, ouais, en Ligue des Champions. Tout à fait. Mais pour le derby qui a été d'ailleurs marqué par une victoire écrasante de City. Donc, voilà, je trouve que c'était la meilleure manière aussi de se remettre en jambes. Non, mais il a encore donné un assist. On les banalise, hein, mais il faut voir la position de son pied, de son corps, etc. Puis sa manière. Ne banalisons pas ce qu'on voit en Ligue des Champions. Ne banalisons pas non plus ce que nous propose le club de Bruges. No sweat, no glory. Ah, il y a pénalty là. Il y a pénalty. Il y a pénalty, bien sûr qu'il y a pénalty. Ah oui, oui, il a très bien tiré. Avec Van Aken, c'est bien joué. Il peut se retourner juste que là. Il passe ou pas? Compliqué. Il passe lui. Il y va. C'est goal. C'est goal. C'est but de Sola. Mais il y a bien joué. Ouais, pas mal. On a le troisième. Allez, il va, Nouza, il l'avait. 4-0 du club Bruges. Victoire du club de Bruges, 0-4. Tout est dans la manière.
Ouais, tout dans la manière de commenter le match aussi. Hein. C'était un super moment, bien, ça, Alex. Non, mais c'est bien. Ça, voilà, ça témoigne de la passion qu'on a quand on commente un match. Bon, en attendant, le club de Bruges a encore gagné ce week-end. Il y a vraiment une méthode week-end qui est en train de s'installer. Je vous recommande d'ailleurs l'excellent papier de Pierre-Yves Brison dans la DH ce matin, parce que Bruges gagne. Bruges aussi fait jouer beaucoup de joueurs. Il y a eu un 28e joueur qui a joué ce week-end dans la personne de Spiller. C'est un tout jeune garçon qui fait partie du groupe de Nicky Yayen. Il y a ce 4-4-2 à plat. Il y a de la maîtrise aussi. Et puis Thomas Châtel me disait, dans le milieu du jeu, il y a un certain Onyedika qui est le Witzel brugeois. J'en mets bien la comparaison. Oui, c'est vrai qu'il est bon. Hein. Depuis qu'il est arrivé, bah, il a mis tout le monde d'accord. On se cherchait un petit peu pour cette place de milieu défensif depuis, malheureusement, la blessure de Ritz. Et Balintin, voilà, c'était pas tout le temps ça, même si je trouve que son sort était un petit peu délicat à gérer, mais il a mis tout le monde d'accord, il est bon, il est parfois un peu impulsif, je trouve. Ah, parce qu'il a les qualités des deux, finalement. Ouais. C'est un bon mix, je trouve, entre Balanta et Ritz. Et toutes les grandes équipes européennes se construisent sur des gros milieux de terrain. Et on sent qu'on a une émergence à Bruges, vraiment, avec une puissance dans ce secteur de jeu-là, qui est vraiment intéressante. Bon, les gars, on ne va pas se le cacher, on ne s'attendait pas spécialement à 6 sur 6 pour le club de Bruges. Même si on sait que traditionnellement, les Blauwenzwart entament bien leur phase de poule. Ici, c'est un 6 sur 6. Il y a cette double confrontation face à l'Atlético. Que peut-on attendre du club de Bruges face au Colchineros? C'est encore le cran au-dessus, parce que l'Atlético, on parlait d'équipes qui se recherchaient. Ce week-end, ils sont allés gagner à Séville. C'est pas simple d'aller gagner là-bas. Avec un record pour Coquet. Hein. Voilà. Coquet qui est désormais le joueur le plus capé de l'histoire de l'Atlético. Et il y a une âme, les joueurs passent, mais il y a toujours cette âme dans l'équipe de Diego Simeone. C'est une des équipes les plus reconnaissables aussi du continent. Il y a eu un petit aménagement tactique parce qu'ils se cherchaient beaucoup aussi au niveau des blessures. Witzel, on en parlera tout à l'heure, qui a retrouvé un rôle au milieu de terrain qui lui va très bien. Ça reste l'Atlético avec un pouvoir offensif, même si ça ne marque pas beaucoup, mais des individualités comme Griezmann, comme Félix, voilà, il y a vraiment du monde. C'est encore le cran au-dessus et c'est un vrai gros test encore pour Bruges. Rappelons que dans sa riche histoire, le club de Bruges n'a jamais été battu par l'Atlético à domicile. Les plus anciens se souviendront d'un quart de finale de séance 78 avec une victoire 2-0. Ah, Alex y était. Ouais, en 92, un quart de finale de Coupe des Coupes avec une victoire 2-1, but de Kerter et de Fouqueboy. Et puis on se souvient en 2018, c'est plus récent, le Bruges était déjà assuré de sa troisième place, 1-0 face déjà à l'Atlético de Simeone. Alex, on sait à quel point vous êtes fan, tu es fan de cette équipe de l'Atlético. Bon, demain tu commentes le match, on veut que tu supportes les Belges. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Mais vous savez, pour revenir à moi et à Coquet, il y a les hommes d'une seule femme et puis il y a les hommes d'un seul club. Ben, Coquet, c'est un peu ça. C'est de plus en plus rare. Ouais, c'est de plus en plus rare, ouais, cette fidélité. Je parle des hommes dans son club. J'ai bien compris. J'ai bien compris où tu voulais m'amener. Mais je l'ai fait exprès, évidemment, je t'ai tendu la perche. Non, mais c'est remarquable ce qu'il a fait. Et là, c'est parenthèse fermée, c'est vraiment. Il est rentré définitivement comme une icône du club. Et alors, en ce qui concerne les propos que tenait Jonathan sur effectivement l'Atlético, Witzel a repris une position de numéro 6. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a eu les retours conjugués de Savic et Jiménez aussi qui lui ont permis de faire ça. Mais ça reste une équipe qui est difficile à manœuvrer parce que extrêmement bien organisée, avec du talent. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'hommes devant le ballon pour faire des différences. Mais c'est le moment, c'est l'instant pour parler de Witzel. On y va. Moi, je trouve que d'abord, ce qui est incroyable, c'est arriver si tôt dans un club et être élu joueur du mois, je pense, après ses premiers matchs. C'était juste phénoménal, surtout dans une position qui n'était pas au départ la sienne, quoi. Et ce n'était pas véritablement pour ça qu'il avait été pris, mais bon, il a très bien fait ça. En équipe nationale, je l'ai encore trouvé très bon, Witzel. Il avait déclaré aussi récemment qu'il se sentait encore tout à fait capable, parce qu'on avait remis ça en question, sur sa capacité à faire les courses, de pouvoir jouer au milieu de terrain. Il a dit que lui, il n'y avait pas de problème et qu'il l'assumerait. Il l'a fait ici, il a pris un carton jaune, je crois, en fin de première mi-temps. Il a très bien su le gérer. Finalement, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, en fait, je trouve, dans ce type de jeu. On a toujours pensé que Witzel était un joueur pour jouer dans des équipes très ouvertes. L'Atlético l'est un petit peu moins. Il est très, très à l'aise, je trouve. Dans ce bloc compact, en fait, ça lui va bien parce qu'il n'a pas non plus trop de courses à devoir faire, comme parfois il doit le faire avec les Diables, où là, le bloc est beaucoup plus ouvert. Mais ce qui est assez amusant, je trouve, dans le parcours d'Axel Witzel ces derniers temps, c'est de se dire que, souvenez-vous, qu'en 2016, il avait été à deux doigts de signer à la Juventus Turin. Et on s'était dit à l'époque, la Serie A, ce serait quand même un championnat qui lui conviendrait. Mais finalement, l'Atlético, est-ce que ce n'est pas une équipe qui ressemble beaucoup à ces équipes de Serie A-là, hyper bien organisées, avec un entraîneur hyper méticuleux? Et juste un chiffre, 810 minutes de jeu depuis le début de la saison.
il a rien raté. C'était d'abord derrière, maintenant c'est au milieu de terrain. Et la formule, elle n'est pas de moi, elle est de mon collègue Kevin Sauvage qui me disait, c'est un peu le Benjamin Button du football. On s'est beaucoup interrogé sur le fait qu'il soit parti en Chine, ouais. Mais finalement, ça va peut-être lui permettre de durer aussi un peu plus longtemps dans sa carrière. Bon, il n'empêche, le moment d'un petit prono, là, Bruges Atlético, moi je sens bien un partage des Brugeois. Ouais, moi bon, je dirais... Tu penses que l'Atlético va gagner 0-1 ou 1-2. Ce sera un match hyper fermé, je vois bien un bon petit 0-0. Ça serait un bon point, en tout cas pour le club de Bruges. On est convaincu, on leur souhaite en tout cas ce partage, ça serait une bonne chose évidemment. Hein, 7 points sur 9, mais voici déjà venu le temps de la compo de Roberto. La compo de Roberto. Léao et le but de Salemakers, voilà, 39e minute de jeu. Et c'est un but partout maintenant, le Milan AC qui égalise. Passement de jambe, décalage côté gauche, le centre est bon. Et Alexis Salemakers pour le 2-0. Voilà le Milan AC, le vrai Milan AC. J'ai envie de dire 2-0. Deuxième but en deux matchs de Ligue des Champions pour Alexis Salemakers qui avait ouvert son compteur donc, contre Salzbourg lors de la première journée. Oui, on a une grosse pensée pour Alexis Salemakers hein, parce que la nouvelle est tombée il y a quelques heures. Cette blessure face à Empoli samedi et donc une absence de 6 à 8 semaines pour Alexis Salemakers. Déchirure partielle du ligament collatéral médial. Il n'y aura donc pas de Coupe du Monde pour Alexis Salemakers, l'ancien Anderlechtois, lui qui n'avait pas joué une seule minute lors des deux matchs de l'équipe nationale. Non, clairement, c'est clair, c'est un vrai coup dur parce que lui, il croyait après... Il aurait quand même fallu un concours de circonstances pour qu'il se fasse une place dans les 26. Je pense qu'il était plus dans les 27e, 28e homme aussi. Hein. Aussi ouais. Mais c'est pour une question de comportement. Il se murmure parfois ça. Non, aussi une question de profil, je trouve. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, on a tous l'image de Salemakers, c'est un latéral droit. Mais quand on regarde les matchs du Milan, il joue dans un rôle beaucoup plus offensif. Et à ce niveau-là, il y a un embouteillage. Donc, ouais, puis il a été testé par Martinez avec plus ou moins de succès dans cette position. Compliqué. Plus ou moins de succès. Il était plus à l'aise en dessous de l'attaquant que dans le couloir. Tout à fait. Bon, très bien, avec tout ça, on a envie de découvrir votre compo parce que les blessures s'enchaînent. Il y a aussi un certain Thibaut Courtois qui n'est pas disponible. Il n'a pas joué hier lors du partage du Real face à Osasuna. Blessure qui, a priori, n'est pas très grave, mais on verra ce que ça va donner, Jonathan. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Sciatique. Hein. On nous dit que c'est une sciatique, donc espérons que ce soit entre guillemets que ça et que ce soit pas une hernie discale non plus, parce que là, ce serait nettement plus problématique. Mais c'est vrai que Thibaut Courtois a beaucoup tiré aussi sur la corde. Il faut se souvenir qu'en fin de saison dernière, il avait raté le rassemblement des Diables aussi. Est-ce qu'il ne couvait pas déjà quelque chose à ce moment-là? Voilà, c'est quand même délicat ce type bon, de blessure. Les compos, on commence par la compo d'Alex. Si tu es dans la peau de Roberto Martinez, aujourd'hui, début octobre, tu fais jouer qui? Je ne l'ai plus sous les yeux. Elle est là, il suffit de la demander. Merci, ce coup de baguette magique, Mathieu. Donc, je suis resté dans le classique avec Vertonghen, Boyata, Alderweireld, Courtois. On aurait pu parler de Denayer, maintenant il a trouvé un club, la question pourra se poser. Meunier, Witzel, Onana, Castagne, ça me paraissait assez évident. Hazard, De Ketelaar, De Bruyne. En l'absence de Lukaku, je trouve que De Ketelaar est le moins mauvais choix devant, même si ce n'est pas sa place de prédilection, c'est peut-être celui qui peut le plus combiner pour m'expliquer. Bon, il y a quand même un choix qui interpelle maintenant. Hazard. Suivez mon regard, évidemment Hazard, d'autant plus que Trossard a marqué un triplé ce week-end. Pour Trossard, c'est 5 buts désormais, 1 à 6. En 7 matchs, De Zerbi est fan de lui. Quid d'Hazard en sachant finalement qu'il n'y a plus que Roberto Martinez qui lui fait confiance. Mais il faut. Moi, tu me demandes de me mettre à la place de Martinez. Ouais, hein, quand là, je on n'est pas à la place de Tecla, on est à la place de Martinez. Et moi, je sais qu'il va le faire jouer parce que j'en ai déjà parlé, je vais le répéter. Pour moi, Eden, si tu ne le mets pas sur le terrain et que tu le mets sur le banc, qu'est-ce que tu fais avec aujourd'hui? Et puis, il y a aussi un respect. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est très important dans la vie d'un groupe. Voilà. Ça. Donc, ça a un impact psychologique. Mais ce que je veux dire, vous même très si... bien entrer en tant que joker deluxe. Mais moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce que je ne pense plus. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'abord de la température du match pour monter en température. Pour moi, pour débuter les matchs, c'est important qu'il soit là aussi psychologiquement pour l'équipe et peut-être contre l'adversaire. Mais surtout, Mathieu, Jonathan, si tu le fais monter au jeu... C'est plus un game changer. Il ne saura pas le faire. Il ne sait plus faire ça. Donc, à quoi il sert? Si tu le mets sur le banc, alors, je ne vais pas dire qu'il ne sert à rien, parce que ce serait lui manquer de respect. Ce n'est pas mon intention. Mais sincèrement, d'un point de vue tactique, tu sais moins l'utiliser qu'avant. Parce qu'il a plus ses qualités pour entrer au jeu et faire une différence. En tout cas. Il y a la question du statut. Ça, Eden, il est intouchable là-dessus. Et il y a la question de la forme du moment. Et là, il y a des vrais doutes quand on voit qu'il n'est pas encore rentré sur un match où le Real devait pousser hier.
Voilà, il y a quand même un souci. On l'a vu en Ligue des Nations contre les Pays-Bas. C'est typiquement le genre de match qui faisait basculer à lui tout seul avant. Et ça fait de la peine, en fait, de dire ça. Et j'utilise souvent cette expression de dépit amoureux quand on le voit, parce qu'on a tous eu des étoiles dans les yeux quand on l'a vu jouer pendant si longtemps. Mais voilà, c'est de se dire que finalement, malheureusement, c'est plus le joueur qu'il était à l'époque. Et donc, en découvrant ta compo, je me permets, ouais, les gars, parce que le temps file, la compo de Jonathan, il n'y a pas de hasard, alors. Non, c'est la priorité à la forme du moment, et donc avec Mignolet dans les buts, une défense à 3 avec Alderweireld, Vertonghen central et Théat, dans les couloirs Castagne et Carrasco, avec la paire Witzel-Onana, je pense que celle-là on peut construire dessus, De Bruyne, Trossard forcément après son triplé sur la pelouse du Liverpool, et De Ketelaere aussi, je rejoins Alex. Il peut y avoir un match entre De Ketelaere et Batshuayi. Je pense que sur le dernier rassemblement, Michy Batshuayi a perdu énormément de points. Dans sa compréhension aux autres, il est quand même un cran en dessous de De Ketelaere. Et dans ce que lui demande Roberto Martinez sur des séquences de matchs précis, je suis plus amené à faire jouer De Ketelaere. En tout cas, on va se prendre au jeu. Semaine après semaine, d'ici le 2 novembre, la compo de Roberto Martinez, elle tombera à la mi-novembre. C'est toujours un jeu sympa, mais il y a encore d'autres matchs qui nous occupent cette semaine, avec notamment deux belles affiches. L'immanquable. L'immanquable, plutôt les immanquables cette semaine. Inter-Barça mardi, Chelsea-Milan mercredi, deux équipes italiennes et donc un expert italien aujourd'hui en notre compagnie. Il est nouveau dans l'équipe, on le salue. Benvenuto David Stegen, on sait David que vous avez le sang italien via votre maman et que vous êtes bien placé pour notamment nous parler de l'Inter puisque vous êtes un supporter depuis votre plus tendre enfance. Ça ne va pas bien pour l'Inter. Désolé, David, de vous lancer comme ça, mais c'est vrai que cette défaite de cette semaine, elle fait mal. Et vous êtes surtout là pour nous parler aussi de cette situation financière qui n'est quand même pas optimale pour les interistes. Non, le club va très mal depuis de plusieurs années. Donc, il y a le Suning Group, donc des Chinois qui possèdent le club et qui doivent emprunter de l'argent pour rembourser des dettes, les intérêts des dettes. Donc, c'est très, très, très mal pris. J'ai un petit retour qui est un peu gênant, ce qui me bloque un peu. Il faudra faire avec David. Voilà, ok, pas de problème. Donc, mais ils viennent de faire une augmentation de capital la semaine dernière de 140 millions. Mais ils sont toujours à moins 140 millions au lieu de 240 millions. Donc, ils ont investi 100 millions. Ouais, et je sais aussi que la stratégie sportive de l'Inter, finalement, vous interpelle. On sait qu'avec Inzaghi, visiblement, on est arrivé à un tournant. La presse italienne de ce matin nous dit que le match, évidemment, face au Barça et à Sassuolo le week-end prochain seront déterminants. Ils seront tout à fait déterminants. C'est le plus mauvais début de championnat depuis 11 ans. Donc, on a perdu, donc l'Inter a perdu 4 fois, déjà sur 8 matchs. Donc, c'est interpellant et il y a 11 ans, on a remplacé Gasperini par Ranieri, donc je pense que le sort d'Inzaghi est scellé, je pense déjà, donc ça va si, ça va si pour lui. D'accord avec ça, Alex, c'est fini pour Inzaghi déjà ? Il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps dans la presse italienne concernant l'Inter, et il était déjà sur la sellette quand même depuis un moment, perdu des matchs importants. À sa décharge, c'est vrai qu'il y a eu des choix bizarres. Bon, je ne sais pas, David, ce que la presse italienne en pense, mais le fait que Romelu soit absent, et tant mieux pour lui, qu'il ne connaisse pas cette période-là actuellement, parce qu'il aurait pris pour son grade. Mais il a hésité beaucoup à aligner un profil comme Dzeko. Maintenant, il l'aligne, mais dans des circonstances qui ne sont pas les meilleures. On lui a reproché ça, je pense, à Inzaghi aussi. Mais voilà, je pense qu'il subit aussi un petit peu une situation générale du club assez négative. Et à mon avis, il ne fera plus partie du club dans les prochaines semaines. Après, il y a aussi la question financière, parce que je ne pense pas me tromper en disant ça, mais en Italie, quand un entraîneur est viré, quand il ne va pas au bout de son contrat, son club continue à le payer jusqu'à ce qu'il retrouve un employeur. Donc ça va encore un peu plus plomber les finances de l'Inter, qui sont déjà dans le rouge. David, justement, par rapport au choix financier, on l'a bien compris aussi, au choix sportif, vous n'êtes pas convaincu par rapport à Acerbi, notamment par rapport à Dzeko, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui pointent le bout du nez, contrairement à ce qu'on peut voir à l'AC Milan d'ailleurs. Il y a le seul Aslani qui peut-être prétendre à quelque chose. Oui, Aslani qui est un peu, encore un peu léger, mais il n'y a pas ce joueur, il y a Di Marco peut-être, qui peut amener une certaine fraîcheur, mais on s'agrippe trop au passé. Par exemple, Skriniar qui est convoité par le PSG, on peut
Je me posais la question de le vendre parce que la défense cette année est très mauvaise. Elle était une sécurité la saison dernière et la saison d'avant, surtout avec le titre. Mais on s'agrippe trop parce qu'il n'y a que le retour de Lukaku qui amène un certain espoir. Mais l'équipe ne tourne pas. J'ai été voir le derby contre Milan et quand je vois le contraste avec la vision sportive du Milan AC, le Milan AC qui me fait penser vraiment aux années 80 sous Arrigo Sacchi, qui a révolutionné le football italien en lâchant le Catenaccio et jouant un football très offensif avec Rijkaard, Gullit et Van Basten. Mais je retrouve ça un peu maintenant grâce au génie et la vision de Maldini, qui a créé un noyau qui est vraiment hyper équilibré. Il y a David, des on en reparle dans quelques instants de l'AC Milan, parce que vous avez déjà cité le nom de Romelu Lukaku. Forcément, il est toujours absent. Dieu sait si vous le connaissez très très bien, puisque vous étiez présent au Sporting d'Anderlecht à ses débuts en tant que professionnel. Romelu, c'est tout simplement sa pire saison, ou en tout cas sa pire année, l'année 2022, en termes de buts marqués. Seulement 9 buts marqués depuis le 1er janvier, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, sur les 10 dernières saisons, eh bien, il n'a jamais aussi mal presté. C'est malheureux pour lui. On sait que vous êtes assez proche de lui. Vous avez des nouvelles? Je sais que maintenant, il faut surtout le laisser tranquille parce que quand il est blessé, il est imbuvable, mais dans le bon sens du terme. C'est un champion et je pense qu'il a été la victime d'un coach à qui il s'entendait pas, avec Thomas Tuchel, qu'il faisait jouer de temps en temps, pas assez. Et Romelu est un joueur, je pense qu'Alex confirmera cela, qui a besoin de jouer beaucoup pour être performant. C'est pas le style à être remplaçant. Il a besoin de rythme de match et il veut jouer toujours. Il y a quand même un phénomène aussi, et surtout un paramètre avec lequel il faudra compter, c'est qu'il ne reste plus que 10 matchs. Vous le dites, David, il faut du rythme. On ne sait pas quand exactement il va revenir. C'est quand même préoccupant, Alex. Oui, moi je pense que c'est vraiment le genre de joueur, on ne peut pas dire, oui, en 2-3 semaines, ça va, voilà, il sera apte. Et je rejoins les propos de David, c'est vrai. C'est un joueur qui, typiquement, tout au long de sa carrière, a déjà prouvé qu'il avait besoin d'enchaîner des matchs et d'enchaîner des matchs pour, à un moment donné, être dans le rythme. Bon, il arrive maintenant dans une situation un petit peu délicate pour son retour. Il y a surtout la Coupe du Monde en ligne de mire qui est très importante pour Martinez aussi. Donc voilà, je ne sais pas dans quel état on le récupérera. On le récupérera à temps, ça j'en suis sûr, mais je ne sais pas dans quel état, et personne ne le sait. Lui seul le sait. Comment sera-t-il? C'est vraiment une période d'incertitude qu'on vit avec Lukaku. Mais juste pour terminer sur les propos de David concernant la défense, c'est vrai que c'est une catastrophe, hein, l'Inter. Cette année-ci, je crois que c'est déjà 13 buts encaissés. C'est vraiment un début de saison qui est catastrophique. Là où ils en avaient vraiment fait une arme, ils ont un gros problème avec ça. Je pense que c'est contre l'Udinese et contre le Milan AC, David, dis-moi si je me trompe, où ils mènent à chaque fois. Et puis, ils se font remonter au score. Le derby... Ils ont du mal à gérer leur avantage. Ah ouais, parce que si tu mènes dans un match et qu'en plus, tu crées des occasions, le problème, en fait, il est pas si grave que cela. Tu me comprends, il y a du contenu. Mais le souci, c'est qu'ils sont très fébriles défensivement, extrêmement fébriles. On voit encore qu'il ne faut surtout pas retenir un joueur qui veut s'en aller comme Skriniar. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que le PSG était sur les tablettes. Voilà donc pour le chapitre Inter-Barça. Le Barça qui va bien et qui a gagné ce week-end face à Mallorca. Match à suivre donc demain avec Marc Delire et Benoît Tanz. Mercredi, Chelsea AC Milan. Là aussi, hein, c'est une belle affiche avec des Belges. David, forcément, Salemakers ne sera pas là. Et vous aviez envie de nous expliquer quelque chose. Je pense que tout le monde n'est pas au courant et ça me paraît tellement évident qu'il n'y a pas eu finalement que les 4 Belges de cette année. Il y en a déjà eu pas mal dans l'histoire de l'AC Milan. Oui, on se rappelle les années 80 avec Eric Gerets, qui a dû quitter l'AC Milan suite au scandale de l'argent noir. Hein. Moi, je suis vieux comme Alex, je suis encore plus vieux qu'Alex. Donc, on a une certaine expérience, Alex, on ne dit jamais ça. C'est mieux dit. Mais donc, il a dû quitter l'AC Milan, ce qui était dommage, parce qu'à l'époque, années 80, on n'avait droit qu'à 2 étrangers. Et Eric Gerets en était un, donc on ne saura jamais ce qui aurait pu se produire avec lui. Mais le Belge qui a été, il n'y a eu que 8 Belges en fait qui ont joué pour l'AC Milan, dont 4 cette saison. Mais le tout premier, c'était en 1910, c'était Jules Van Egge. Et c'est un joueur de l'Union et c'est le joueur le plus performant, le Belge le plus performant des 8 joueurs belges. Il a marqué 90 buts en 10 ans. À Milan. Donc, il ne faut jamais oublier. Et au musée de Milan AC que j'ai visité il y a quelques semaines, il y a
une très belle effigie de Julien Van Egg, l'ancien joueur de l'Union. Donc ça, seuls vraiment les très anciens s'en souviennent, mon cher David. Parlons du présent maintenant avec Maldini. Et je sais que vous avez quand même aussi le bon sens de reconnaître le bon travail de Maldini, même si on sait que vous êtes un interiste dans l'âme. Je n'aide personne. J'aime souvent une équipe plus qu'une autre. Mais le Milan, il faut vraiment respecter le Milan, qui vient d'une situation financière aussi désastreuse. Mais ils se sont remis en question. Il y a un bon propriétaire maintenant, un private equity banker américain qui gère ça très bien. Et il y a ce génie de Maldini qui a pris le bon coach, qui prend les... Il n'y a pas que lui, évidemment, mais c'est lui qui gère ce département. Et quand on voit le noyau du Milan AC, il y a un mix quasi parfait entre des joueurs jeunes, talentueux, comme Charles de Ketelaar, Alexis, et tant d'autres. Il y a des joueurs un peu plus expérimentés comme Tonali, et puis il y a des vieux, on dirait, hein, des joueurs vraiment d'expérience qui encadrent l'équipe comme Zlatan, qui ne joue peut-être plus beaucoup, mais... C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, figurez-vous. Oui, voilà, un de mes joueurs préférés aussi. Et il y a aussi surtout un certain Leao, David, je me permets, parce que face à Empoli, il a été décisif, et on sait aussi que cet été, Chelsea a été proche de l'embrigadé. Mais Leao est vraiment le symbole de la politique de Maldini. Il est déjà trop grand, je pense, pour la Serie A. Il est prêt pour la Premier League et il voulait payer, je pense, il y a une offre de 120 millions de livres pour acheter Leao, qui est vraiment déterminant et encore très jeune. Hein. Il a que 21 ans, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est vraiment, il y a Hernandez, enfin, il y a tellement de joueurs, il y a un noyau. Et quand on voit ce week-end, il y a Balotelli qui est rentré pour Hernandez, Juric pour Salamakers et Rebic pour Giroud. Donc si on a cette vision-là, c'est une vision sportive quasi parfaite. Oui, ça en dit long évidemment sur la profondeur, mais il y a quand même aussi un petit souci pour Pioli, c'est l'accumulation des blessures, parce que Calabria s'est blessé, Kjaer s'est blessé, et donc visiblement pour ce match face à Chelsea, il y aurait une quinzaine de joueurs seulement disponibles. Ça va quand même être un point très, très, très important. Clairement, le Milan en situation délicate pour ce déplacement à Chelsea. Ouais, ou en plus à Chelsea, il y a cet effet Graham Potter qu'on voit aussi. Donc, ce sera là aussi un gros test parce que c'est vrai que David le disait, ça sent bon la nostalgie, le Milan, ça nous ramène à ces campagnes glorieuses en Ligue des Champions, fin des années 90, début des années 2000 aussi. Mais ils sont en reconquête aussi sur la scène européenne, donc ils ont vraiment aussi quelque chose à faire pour retrouver ce lustre d'antan. Allez, un petit prono pour ce déplacement du Milan à Chelsea, David. 2-2. Ah, très bien. Parce que non, mais Chelsea est en reconstruction aussi. Je les ai vus là contre Crystal Palace ce week-end avec Aubameyang qui commence vraiment à bien jouer, qui est à sa place. On joue en sa fonction, donc ce sera un match très intéressant. Allez, très bien, ça sera à suivre en tout cas en compagnie de Jonathan Ancio et de Xavier Chen dans le cadre de la soirée de mercredi. David, je vous propose de rester avec nous parce que figurez-vous que la prochaine séquence concerne aussi quelque part l'Italie. La belle histoire. Oui, la belle histoire du jour avec un joueur qui n'est pas italien mais qui joue dans le calcio. On devrait d'ailleurs avoir une petite musique liée au profil de ce joueur dans quelques instants. Jonathan, c'est pour vous, c'est la belle histoire du jour avec un gars qui a déjà planté 5 buts dans le calcio mais qui n'a pas encore marqué en Ligue des Champions. Et vous l'avez reconnu, on va naturellement parler d'un géorgien vu que c'est l'hymne géorgien qui retentit derrière nous. Il s'appelle Rvicha Kvaratskhelia, je ne le redirai pas deux fois. Au Scrabble, si Mathieu, tu le places sur mon compte Trips, tu auras 192 points. Mais sinon, on s'embête pas, on fait comme Aurelio De Laurentiis, qui l'appelle Zizi. Enfin, ça sonne bien en italien, mais un peu moins en français. Donc, va pour Kvara, comme on dit dans le vestiaire napolitain. Et vous l'avez compris, il vient de Géorgie, de la capitale, Tbilissi plus précisément. Il commence le foot là-bas quand il a 8 ans, fait ses débuts à 16. Premier match en pro, naturellement, première passe décisive, qui confirme ses 15 buts en 20 sélections chez les U17. Premier dribble aussi dans sa carrière. Il quitte le plus grand club du pays pour le FC Roustavi. Pour vous situer, c'est un peu comme si on passait d'Anderlecht ou du Standard à Sorin.
il va pas pour profiter de la belle villa d'Alex Teclac qui donnera l'adresse hors antenne et qui explique son bronzage, mais il va retrouver son papa, un certain Badri, qui est entraîneur sur place. On est en 2018, il n'y reste qu'un an, direction ensuite le Lokomotiv qui va peut-être un peu trop vite pour lui. Mais il ne reste pas en gare, il descend au Rubin Kazan où il mène grand train. Deux saisons avec des buts qui célèbrent, comme le fait l'un de ses modèles, Steph Curry. Il est élu deux fois meilleur jeune joueur du championnat aussi, ce qui fait du bruit forcément. Et à Naples, comme ailleurs, je ne sais pas vous, mais il a fallu s'occuper durant le confinement. Et le directeur sportif, Cristiano Guintoli, passe son temps devant son écran et découvre le phphénomène. Son prix aussi à l'époque, c'est 30 millions d'euros. Il préfère investir du coup sur Osimhen. Et trois ans plus tard, la guerre éclate. Kvar rentre au pays, direction le Dynamo Batumi en mars, et dès avril, il passe sa visite médicale avec un contrat de 5 ans à la clé contre seulement 10 millions d'euros, donc prix qui a été divisé par 3. C'est un pari, c'est surtout une très belle affaire aussi parce que son agence allongue ce délit, il le certifie sans le départ de Paratici, l'ancien directeur sportif de la Juventus. Il aurait signé chez la vieille dame, mais le voilà donc à Naples pour faire oublier Dries Mertens, forcément pour succéder aussi à Lorenzo Insigne, pour faire fleurir les comparaisons naturellement. Son sélectionneur Willy Sagnol y voit du Ribéry en lui, rapport à son côté ambidextre et déroutant. Pour Fabio Capello, on est plus sur du Salah. À Tbilissi, on l'appelle le Messi géorgien, alors que lui, il est plus CR7, d'où ce numéro 77 qu'il porte. Et à Naples, forcément, on l'a déjà rebaptisé Kvaradona, en référence à qui vous savez, mais lui finalement, c'est juste Kvaratskhelia. Et se faire un nom quand le sien est aussi dur à prononcer, c'est déjà pas mal, non ? Super, Jonathan, Naples qui est d'ailleurs en tête de la Serie A avec l'Atalanta. Allez, un petit quiz. David, je sais que vous aimez ça, les fameux quiz vrag. Vous pouvez aussi participer. On y va avec Jonathan. Un quiz sur les Géorgiens. Sur le Napoli. Allez, combien de buts a inscrit Dries Mertens au Napoli, messieurs ? 124. David, non ? 130. Bonne réponse avec ses claques, c'est 148, c'est lui le plus proche. Je savais que c'était... Combien de matchs a disputé Mertens avec le Napoli ? David, c'est pour vous, vous êtes notre expert italien. Hein. C'est le moment, c'est l'instant, vous passez votre test, on va voir si on vous garde encore pour les prochaines semaines. Aussi. Ça l'a prévenu. 300. Moi, je dirais 350. Je dirais encore plus, 380. 397, bonne réponse de Mathieu Istas. Le recordman du nombre de matchs sous les couleurs de Napoli, c'est qui ? Hamzik. Exactement, ouais, avec 520 matchs. Ouais. Hamzik qui joue à Trabzonspor maintenant. Avant... C'est une sous-question, j'imagine que je prends un point aussi. Pas du tout. Avant Dries Mertens, il y a deux autres diables qui ont joué au Napoli, messieurs. Crasson. Ouais. Crasson, oui, tout à fait. Olivier Renard. Bien joué. Ah ouais. Olivier, et allez, juste... qui ça ? Olivier Renard. Ouais, c'est vrai. Et pour finir, le meilleur résultat du Napoli en Ligue des Champions. J'avais une demi-finale. Mathieu. Un quart. David. Demi-finale, je pense. Eh ben non, messieurs, c'est un huitième de finale. Trois fois. En 2011-2012 contre Chelsea, c'était le dernier match avant Di Matteo. Contre le Real en 2016-2017 et contre le Barça en 2019-2020. Oui. Un plafond. Très bien, bon, on va encore un peu s'entraîner, n'est-ce pas, David ? Oui. Oui. Merci, en tout cas, David, c'était très intéressant d'avoir votre point de vue concernant ces clubs italiens. On croise les doigts pour eux. On se retrouve très bientôt, évidemment, pour de nouvelles aventures sur la Champions League avec vous. À bientôt, David. Merci beaucoup. Allez, un petit prono, tant qu'on y est, pour la route. Allez, on a encore un tout petit peu de temps. J'ai quand même envie de vous demander ce que Bruges va faire face à l'Atlético. Vous me l'avez déjà dit, donc ce n'est plus nécessaire d'en parler. Par contre, dans l'autre affiche, il y a l'Inter face au Barça. On a quand même le sentiment que le Barça est clairement le favori de cette rencontre. 1-2, Barça. Ouais, 0-2. Moi aussi, je dirais la même chose. Il faudra que le Barça marque, contrairement à ce qu'il n'avait pas pu faire face au Bayern. Vous étiez au match, d'ailleurs, mon cher Alex. Et puis, le mercredi, Benfica-PSG. Ça sera sympa à suivre, ça, parce que Benfica est en pleine bourre en Ligue des Champions. Le PSG a gagné sur le fil face à l'OGC Nice. 1-2. 1-2. Okay, ouais, je pense que le PSG va gagner. Avec Mbappé titulaire, j'imagine. Je suppose. Logiquement. Ce ne sera pas Ekitike, en tout cas, qui sera en pointe. Ouais, mais donc, il a été fort, d'ailleurs, et je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais critiqué pour sa prestation. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, Jonathan. Là n'est pas le propos. Le premier joueur en palindrome de l'histoire du PSG, ce sera match nul, je pense. Parfait, ça, il fallait la placer, j'imagine. Et puis l'autre affiche, évidemment, qui nous occupe. On aurait d'ailleurs pu poser la question à David par rapport à Chelsea et cette équipe de Milan. Il a parlé d'un 2-2, David. Oui, je valide le 2-2.
2-2 aussi. Un partage, beaucoup de buts. 1-1, ça vous va? C'est très bien. On est parce que je vais parier. Bon, je sens que vous êtes bien, vous êtes chaud pour ce mois d'octobre qui s'annonce bouillant. Ça tombe bien parce qu'on est parti pour 4 semaines de folie. Ça débute ce mardi évidemment avec le multi-live. Mercredi aussi, on sera là et on n'oublie pas non plus Flashback qui est disponible sur nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Champions Club. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.